Hey yo les petits potes, c'est Rookie de retour sur Black Ops 6. Aujourd'hui, vidéo sur un défi spécial du LR 7.62, le défi du camo Nimbus qui vous demande de faire 15 éliminations à longue distance. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une élimination à longue distance avec le sniper? C'est une élimination à plus de 50 mètres. Et ce qui est un peu tricky, c'est qu'il y a quand même beaucoup de maps de Black Ops 6 qui ne se prêtent pas à ce défi, puisqu'il n'y a pas forcément des lignes permettant d'avoir des shots à 50 mètres ou plus. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 maps à jouer pour faire vos éliminations à longue distance. La première map que je vais vous montrer, c'est la map Protocole, où en fait, sur l'un des deux spawns où donc du coup vous apparaissez, vous avez deux lignes longue distance qui vous permettent de réaliser ces éliminations. Et maintenant, sans regarder. Faites gaffe, drone ennemi dans le ciel. Éliminé, je continue. La deuxième map, c'est la map Scud, qui est quand même remplie d'open space. Je dirais quand même que c'est la plus facile pour faire les éliminations longue distance. On a l'avantage, conservez-le. On a pris le contrôle. Contente de te revoir, Produc. Ensuite, vous avez la map Vault, avec du coup, quels que soient les spawns, vous avez donc une longue route sur un côté de la map, à l'opposé de là où se situe la piscine. Et là, vous pouvez clairement faire vos shots longue distance. Point stratégique localisé. Viens, d'élite supprimée. Drone de brouillage ennemi en approche. J'ai pas loupé. Point stratégique localisé. Ennemi a capturé le point stratégique. Détient le point stratégique. Déployé. Drone de pouillage ennemi identifié dans le ciel. Vous avez devant vous le triple champion de tir d'élite de la marine. Ennemi en vue. Le point stratégique est actif. Je n'ai pas loupé. Détient le point stratégique. Et enfin, je terminerai par la map Nuketown, parce qu'il y a la playlist 24 sur 24 en ce moment. Nuketown, il y a un spot où vous pouvez faire vos shots longue distance. Je vous le montre tout de suite. En fait, c'est derrière la maison verte, quand vous collez à l'espèce de barricade au fond du jardin et que vous visez vers la maison jaune, vers le garage, vous pouvez faire vos shots à longue distance. Cible en vue! Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous aider pour faire ce défi des tirs lointains, tirs à longue distance, tirs de loin, etc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.